toi. Oui, c'est toi, mon ami, marsupilami. Dans la jungle, roi, c'est toi, marsupilami. Balance-toi, balance-toi, marsupilami. Et viens danser, danser avec moi. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba, marsupilami. À toi maintenant, Marsu. Ouba, ouh, hop. Ouba, baba, ou. Il y a de la joie. Ah, je suis complètement content. Ouais, c'est incroyable de pouvoir traduire le Marsu comme ça, t'es. Ça marche pas toujours. Quand le traducteur ne sait pas, il traduit au hasard. Avec ce traducteur, mes recherches vont progresser à grands pas. Jean-Pierre doit encore l'améliorer. Enfin, quand il en aura fini avec son patron. Oui, oui, Bill, je l'ai dit à Monsieur Opalor. Dès qu'il aura mis ses fiches dans le réseau de son entreprise, tout le système de sécurité sera relié à l'ordinateur central. Aucun risque de bug, vous en êtes sûr? Non, parce que vous savez, ce contrat est absolument énorme. Ah non, 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 aucun risque. Ah, parfait, parfait, il faut que je file, moi. Opalor vient cet après-midi et je n'ai pas vérifié le contrat. Et vous pouvez compter sur moi. S'il signe ce contrat, on reparlera de votre promotion. Ah, merci, Bill. Mon petit Jean-Pierre, vous avez vraiment du talent. Bon, je vous tiens au courant. À bientôt. Ouais, youpi. Uno, miam. J'ai presque jamais faim. Quel menteur, t'es le plus gros goinfre de toute la Palombie. Yahoo. Je suis le plus fort. Yes, 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 yes. Ça y est, ma puce au silicium. je vais avoir ma promotion, mon énorme promotion. Nous allons avoir plein de sous, du blé, de la thune, 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 de la thune. Ou brout, ou brout, ou bêche, 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 ou brout. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça doit être un gros mot de parler d'argent, Marsu. Ah oui, désolé. Pardon, c'est le machin qui est pas au point. Je vais arranger ça. Et si tu allais plutôt dormir, chérie? Ça fait 3 nuits que tu travailles sans te reposer. Ah, je suis le meilleur. Ah, yes. On va travailler dans mon labo. On va faire une liste de nouveaux mots pour le traducteur. Comme ça, Jean-Pierre n'aura plus qu'à les enregistrer. Presque jamais faim, hein? J'ai compris, on va commencer sans toi. Ouba. Ouba. Ah. Monsieur Opalor, je vous présente notre génial inventeur. Ah, toutes mes félicitations, mon cher. Et voilà pour vous. Ouba, ouba, digibolo, ouba. C'est moi, Coucou, le rigolo. Tête de poisson, tout chaud. Hein? Ouba, 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 ouba. Pardon, je ne comprends pas, je ne parle pas le marsupilami. Ou gros. Ouba. 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 Baoudak, oubadak. Ouba. Ouba.
Hé, mais c'est ma promotion. Ne coupez pas le moteur, j'en ai pour une minute. Oh, il y a quelqu'un? C'est moi, Bill. J'ai oublié mon téléphone portable. Mon petit Jean-Pierre? Oh, surtout, ne vous dérangez pas, je prends juste mon téléphone et je... Au secours! À l'attaque! Pas de quartier! Miam miam, mangez! Bonne mère! Au secours! À l'aide! Bill Boss! Et ne rêvez plus de cette promotion! Monsieur Boss! Je travaille avec des ingénieurs, moi! Pas avec des gardiens de zoo! En route! Le cher, il est pas commode, le patron. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oubada, qu'est-ce qui s'est passé? Que je ne veux plus entendre un seul Ouba chez moi. Oubadada, Oubadoudou, Oubadou. Ça va pas le cerveau de ta tête? Je ne veux plus voir de marsipilon. Papa! Oh là là, quel boss! Né, Ouba, Louba. Moi aussi, je t'aime, mon chéri. Marsu s'excuse pas. Il pensait pas faire une bêtise. Tu parles de Marsu maintenant? Cool, papa sait parler le Marsu. Il se prend carrément pour un Marsu, tu veux dire? Papa, super ami. Alors là, franchement, ça me dépasse. Je vais appeler un ami psychiatre. Il saura sûrement quoi faire. Chérie, c'est pour ton bien. Louba, à où? Mon surmenage et choc traumatique. Je vais essayer l'hypnose. Pour un retour mémoriel, ça peut marcher. Détendez-vous, Jean-Pierre. Vous allez dormir. Votre corps se fait lourd. Jean-Pierre, vous n'êtes pas un marsupilami, Jean-Pierre. Vous êtes un humain. Vous êtes un humain. Vous n'êtes pas un marsupilami.
Jean-Pierre du Jardin, revenez à vous. Ton mari est un cas très intéressant, Amanda. Intéressant ou pas, il faut l'aider à redevenir lui-même. J'ai deux solutions. La première est classique, repos, calme et douceur. Mais ça peut prendre du temps. Ou alors, on peut essayer un traitement expérimental à base de nouveaux médicaments et d'électrochocs. C'est rapide, c'est efficace. Mais il y a des risques de ramollissement du cerveau. Je préfère la méthode douce. On prendra le temps qu'il faut. L'essentiel est que Jean-Pierre redevienne Jean-Pierre. Là, il s'enfuit, là. Maman, ils sont là. Voilà tous les deux. C'est pas très gentil de filer comme ça. Luba. Luba. Excusez-le, c'est mon père, il est très joueur. Allez, mon Marcy, on rentre à la maison. C'est pour ton bien, mon chéri. Tu comprends, tu dois dormir. Boubabou. Vous continuerez à jouer demain, d'accord? Il faut que mon papa se repose. Jean-Pierre, donne-moi ce téléphone. Allô, Jean-Pierre? Mon petit Jean-Pierre, c'est vous? Chéri, allez, rends-moi ça. Ce n'est pas un jouet. Bravo, Mélanie. Jean-Pierre, c'est vous? Allô, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, Marcy, tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi. Absolument que je vous parle. Je suis désolé, monsieur Opalor. Eh bien, que comptez-vous faire? Je vais le voir personnellement. Enfin, bravo Théo. Ça ne rate jamais, les Marcies ont toujours sommeil après manger. Tu vas bien dormir, mon amour. Et qui sait, peut-être que demain tu redeviendras mon informaticien génial. Dodo, ouba. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce que ça veut dire? Aller jouer, mais loin et en silence. Jean-Pierre doit se reposer le plus longtemps possible. Oh, j'espère qu'ils m'ont entendu peu cher. Pourquoi il insiste? Il a bien vu qu'on l'avait vu. Bill Boss, c'est Bill Boss. Ouba, miam. Ouba. Occupe-toi, Théo. Emmène-les dans ta chambre, je m'occupe de Bill Boss. Chut! Venez, on va jouer dans ma chambre.
Monsieur Boss, quelle bonne surprise! Et qu'est-ce qui vous amène? Bonjour, Madame Dujardin. Votre téléphone était en dérangement et il faut absolument que je voie Jean-Pierre. Oh, c'est vraiment dommage. Jean-Pierre est parti en randonnée avec Théo. Oh. J'ignore totalement quand ils reviendront. Ouba, hop, ah. Ouba, miam, miam, miam. Papa, non! Hein? Mais il est là, que se passe-t-il? Il est fâché, c'est ça? Ah non, mais pas du tout, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh si si si, je sais, j'ai été injuste, je m'emporte très facilement. Mais je sais reconnaître mes erreurs. Jean-Pierre aura sa promotion, c'est sûr. Ouba, et revenez! Enfin, voyons, qu'est-ce qui lui prend là? Ouba, ou, ou, ah. Ouba, ah. Ouba, miam, ouba, ouba, miam. Notre client, Opalor, ne veut signer qu'avec Jean-Pierre. Question de confiance, il a commencé avec lui, il veut finir avec lui. Vous ne pouvez pas le faire patienter un peu? Hélas, non, c'est impossible. Il s'en va demain, si on ne signe pas aujourd'hui, le contrat est perdu et je peux fermer la société. Mais vous m'avez bien dit que vous aviez testé la méthode du retour mémoriel. Peut-être qu'il faut que ce soit moi qui essaie, puisque c'est à cause de moi que tout a commencé. Vous n'avez qu'à lui parler comme d'habitude quand vous êtes au travail. Jean-Pierre, vous allez arrêter cette comédie tout de suite. Vous allez vous remettre au travail avec sa sang. Et que ça saute, hein. Génial. Désolé. Je commence à comprendre pourquoi il préfère rester marsu. Bon, séparons-nous. On aura plus de chances de le trouver. D'accord. Jean-Pierre! Mon petit Jean-Pierre! Jean-Pierre! Oubaba, ouba, ouba! Jean-Pierre! Ah, vous voilà enfin! C'était pas sympa de me faire peur comme ça! Quoi? Encore une de vos blagues? Papa, papa! Ouba! Marsu, où est mon papa? Ouba, 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 ouba! Maman, par ici! Maman, par ici! Jean-Pierre, réveillez-vous! Le fauve revient! Jean-Pierre, réveillez-vous, réveillez-vous! Jean-Pierre, vous allez arrêter cette comédie tout de suite! Hein? Allez-y, Jean-Pierre, mettez-lui une bonne rouste! Ah oui, on fait moins le malin, là.
Ah, un jaguar. Ah, bah oui, un jaguar. Alors là, bravo, Marsu. Chérie, tu es revenue. Ah, papa. Oh, merci. Merci, Marsu. Et non, mon papa ne parle plus, Marsu. Papa, je crois que ton exploit contre le jaguar restera longtemps dans les mémoires de Marsu. Oh, péché, oh, quel dommage d'avoir raté tout ça, t'es. Je ne me rappelle de rien, de toute façon. T'inquiète pas, chérie, je te raconterai tout. Et notamment comment tu fais des bisous, Marsu. Allez, à la santé de notre informaticien génial et à sa promotion. Ouais, au plus Marsu de tous les papas, hip hip hip. Oula. Ah, mon copain Marsu. Ouba.